Ok, il semblerait qu'on arrive. C'est sûrement Belvédère. L'agent de Marat doit déjà être sur la place du marché. Waouh, on a traversé les plaines désertiques pour arriver directement aux plaines enneigées. Eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Zero Dawn. Tu ne dois apprendre qu'une seule chose aux gens de Méridien. Et on est dans une nouvelle ville apparemment. Aucun signe du gars de Marad. Il a eu largement le temps d'enquêter. On ferait mieux de le chercher. T'as raison. Ok, alors, on a retrouvé Rend. Maintenant, il faut trouver l'agent de Marad. Est-ce qu'on peut se servir du focus? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Caisse de ravitaillement, d'accord, on s'en fout. Ici. Bon, quelqu'un a quitté cet endroit récemment, et de façon précipitée. Ok, parfait. Ça nous aide énormément, n'empêche. Les coups de focus comme ça. Ok, alors, où sommes-nous? Oh putain! C'est sûrement l'agent de Marad. Les hommes de Derval ont dû la voir. Il avait peut-être trouvé quelque chose. Regarde ça. Je crois qu'il a dessiné une carte avec son sang. Ouais. Ce genre de carte, il vaut mieux les suivre. Ça pourrait être Belvédère. Il a marqué un point au nord. L'emplacement de Derval? Mes hommes attendent à l'extérieur. Je les récupère et je te rejoins. Ok. Le point de mission, il est 300 mètres plus bas. Par ici. Est-ce qu'on peut descendre? On va essayer. Ouais, ça le fait. On a retrouvé Eren d'ailleurs. On a rattrapé plutôt Eren. Je vais te dire ce que j'aime, moi. Le bruit du marteau frappant ici. Chacun ses kiffs. Par là-bas. Allez, on fonce. Ouh, il y a un Dante. Attendez, c'est bien un Dante? Veilleur. C'est quoi ce truc là-bas? J'ai l'impression que c'est un Dante. Ravageur. Ah, merde. Ok. C'est différent des Dante. C'est ce qu'on a affronté dans l'épisode précédent. Mais c'est assez coriace et je crois que je peux pas le pirater pour le moment. Ce genre de machines, elles sont d'un autre creuset. En fait, il y a des points sur la map qui s'appellent des creusets que vous pouvez trouver grâce à des PNJ en fait, à qui vous parlez sur les maps. Et ces creusets, en fait, ce sont des usines de fabrication des machines. Les machines viennent d'ici, certains types de machines. Et lorsque vous avez terminé le donjon, en quelque sorte, le creuset, eh ben vous pouvez apprendre à pirater les machines qui viennent de cette usine. C'est super serviable. C'est pour ça que maintenant je peux pirater des Dante. J'ai jamais testé, mais... Oh, c'est quoi ce truc? C'est énorme! Waouh! C'était pas une étincelle, ça, vu la taille du truc. Ok, feu de camp découvert. Je sais pas trop où exactement. J'aurais bien sauvegardé un coup avant d'aller plus loin. Pas grave. Site de machine oiseau tempête. Ça doit être ça. La grosse machine qu'on a vue là. Ça doit être l'oiseau tempête. C'est quoi ça? Par là-haut. Waouh, les effets de lumière sont vraiment jolis, hein. Allez, 40 pas, on y est presque. Je sens qu'on va bien se faire accueillir là. Les machines. On dirait qu'on les a enchaînées. Derval et bricoleur. Il fait sûrement des expériences sur elle, ou bien il les démonte. Je peux peut-être m'en servir pour semer la panique. Je passe devant. Attends ici que la bagarre commence. Très bien. On va te couvrir. Alors, aux frontières, tuer les assaillants et les machines. Ok, entendu.
On va essayer de faire attention. C'est quoi cette machine? Un ravageur. Et ça, un haut de patte. Alors le problème, c'est que je peux pas les pirater ces machines, si je me trompe pas. Parce qu'elles viennent pas justement d'un creuset que j'ai fait. Ok. Et là-haut, il y a un mercenaire. Là aussi, là aussi. Ouais, il y en a un paquet. On va essayer de se débarrasser d'abord des mercenaires qui sont là. En hauteur. Merde, j'ai loupé. Oh oh. Les hommes de Derval. Ça va tourner au vinaigre. Ok, chaos, c'est bon. J'aurais dû utiliser l'arc de précision de Karja, je me suis précipité. J'ai pas fait gaffe que c'était l'arc normal. Non, attaque pas. Attaquez pas. Putain, ils partent attaquer. Fais chier. Tout ça parce que je me suis loupé. Ouais, j'ai l'impression. Oh merde. Wouah. Fini la pause discrète. Libérez les machines. Libérez les machines, non. Tout sauf ça. On va essayer de les avoir à distance là, tant qu'on peut. Avant qu'ils libèrent les machines. C'est plus facile pour nous de détruire les machines si elles sont comme ça. Ah merde. Merde, c'est moi qui l'ai libéré là, la machine. Oh oui, j'ai l'impression. J'aurais peut-être pas dû lui tirer dessus. Oh, oh le poulet. Hop là. Hop là. Non. Calme. Oh. Ok, doucement, doucement. Hop là, KO. Saloperie. Bien. On va pas attaquer le ravageur du coup, parce que j'ai l'impression qu'on le libère si jamais on l'attaque. On va plutôt se débarrasser des mecs qui sont à l'intérieur du camp. Si ça vous dérange pas, hein. Mais je pense que c'est une meilleure idée. Ah, il y a des machines aussi à l'intérieur, waouh. Ok, faut vraiment faire attention là. On peut pas faire de conneries. Non! Elle a tué qui? Eren là? Attendez, elle a tué. Elle a tué quelqu'un de mon équipe, j'ai l'impression. Loupé, merde. J'ai d'autres munitions. Attendez, hop. Je recharge à fond. Tout à l'heure, en fait, j'ai loupé le premier gars, le premier mercenaire, j'ai l'impression, parce que j'avais pas l'arc de précision de l'ombre. Et du coup, je lui ai pas fait assez de dégâts sur le headshot. Là, par contre, ils se mettent tous devant leur pote. Du coup, j'arrive pas à avoir de headshot. Merde. C'est moi ou il y a une machine qui vient d'être réveillée, là? Ok, c'est pas moi. Il y a bien une machine qui vient d'être réveillée. Vous savez quoi? On va faire. On va se protéger. Et là, c'est pareil. Lui. Hop là, comme ça, si ça lui prend l'envie de sortir de sa cage, ça va lui faire tout drôle. Hop là. On va l'encercler. Bien. On est reparti. Alors, les ennemis. Il y en a un. Ça, c'est un ennemi, ça? Oui, c'est un ennemi, ça. Bon, je suis obligé de repasser à l'autre arc. Parce qu'il est bien plus rapide, en fait. Ça me permettra de bombarder comme ça. Oh, le con. Ok. Bon, c'est bien, ils sont pas corrompus. Du coup, j'ai l'impression qu'ils attaquent aussi bien les hommes que nous, enfin les adversaires que nous. Waouh, ça fait trop mal. Je me suis pris un truc là. Eren il est derrière, ok. On va leur foutre le feu. Tiens, crame. Oh merde. Crame toi. Toi aussi. Et j'ai déjà utilisé toutes mes potions, ça craint. Allez, crève. Déplacez-vous, vous donnez la confusion. Voilà.
Hop là. Dans tes dents, connasse. Alors, il y en a un de gelé, on va le terminer. C'est bon, c'est bon. Oh, bien joué, Eren. Il gère. Loupé. Putain, mais je vise trop mal. Mais laissez tomber comme je vise mal. Waouh. Oh, oh. Ok, on va pas... On va pas recharger tout de suite. On va pas chercher plutôt les loot tout de suite. On va d'abord se débarrasser d'eux. Ah, faut que je charge un peu plus longtemps. Pour Méridian. Ça doit être Eren qui disait ça. Ok. Faut la trouver. Allez. Point de mission, on continue. Par contre, on a pas beaucoup de vie. Je vais préparer les potions. Avec ses pattes, elle est aussi rapide que bruyante. Je dois rester sur mes gardes. Ok, un autre ravageur, un autre haute patte. Faut surtout pas qu'on les... qu'on les fasse sortir de leur truc. On va pas les attaquer. Parce que si on les attaque, c'est foutu pour nous. Ok, par ici. Nerval dit que tu dois mordre la poussière. Putain, c'est quoi ce... C'est quoi ce bordel ? Vaincre le champion de Derval. Non ! Non, il a sorti le ravageur, putain. Ok, on va rester ici. Il m'a vu ! Non, fais chier. Putain, j'ai plus de potions en plus. Alors, c'est quoi la faiblesse de ce truc ? Le feu. Allez, crame. Crame, je vois que t'aimes ça. Laisse-moi tranquille. Oh, waouh, c'était chaud. Ouh. Bordel. Putain, surtout qu'il y a l'autre avec le feu d'artifice derrière. Faut vraiment que je fasse attention. Meurs. On va se débarrasser du ravageur en premier. C'est ultra important. Ouf. Parce que là... Oh, si je me prends un coup, je suis mort. J'ai plus de potions. Ok, bien. Alors, Eren est KO par contre. Ça, ça craint. J'espère que t'aimes bien le feu. Ouh là là, ma vie. Oh, je suis bloqué. Ok, c'est bon. Il est où? Ah, c'est Eren. Merde. J'ai confondu. Ouh. Ah oui, ok, donc le corps à corps, on oublie. Le corps à corps, on oublie. Allez, meurs. Putain. Comment ça, ma flèche, elle passe à côté? Vous rigolez ou quoi? Bon. Si on essayait ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça lui a fait zéro dégâts, c'est con. Et ça, c'est quoi ce truc? Putain, non. Ça fait pas bouger, Eren. Ok, ça fait pas de dégâts, j'ai l'impression. Y'a que celle-là qui est vraiment forte comme arme. Hop. En fait, ça doit être utile contre les machines, mais pas contre les humains. Une mission. Oh, merde. Putain. Ok, allez. Vous savez quoi? On va tout recharger là. On peut pas, dommage. J'ai plus assez de ressources. Allez, où est l'ennemi? Putain, il fait le tour, il me cherche. Reviens ici, je suis là. Formation, je me suis trompé d'arme.
Ça doit être à l'intérieur. Voilà. Il faut qu'on entre. En pleine tête. Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit. Ok, alors, un instant. Moi, je vais ramasser ça, si je peux. Un crache-feu. Ok, ça peut servir, je pense. Appareil sonique. Désactivé ? C'est bon, parfait. Examiner l'atelier de Derval. Oh, s'il est en bas, je vais tout faire péter. Erend, Derval a tenté de me briser. Il m'a montré ce qu'il savait. J'aurais dû être avec toi. Pourquoi tu m'as pas emmené? Je sais très bien que je suis qu'un pauvre ivrogne, mais... Non, idiot. J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenu parce que je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer. Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridian. Il a dit qu'il forcerait Avad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil. Ton roi a besoin de toi. Finis de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Compte sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Ersa. Non, non. Pitié. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Erend. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Méridian est immense. Je vais fouiller ses affaires. On trouvera peut-être des indices. Putain. On a fait tout ça pour ça, pour rien? Non. Laisse-moi un peu de temps avec Ersa. Ah, ça fait chier. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ces machines? Est-ce que je veux le savoir? Apparemment, ils ont créé des ondes sonores qui permettent de paralyser les humains via les têtes de haute patte. Ok. Des notes de fabrication. Waouh, 44% de bobines de dégâts. De la flambée en direction de Méridian. Si on la trouve... On trouvera sans doute Derval. D'accord, un instant. J'ai pas pu récupérer ce que je voulais. Parce que tout est plein, merde. Comment on fait pour jeter? Ok, maintenir. On va jeter tous ces trucs inutiles, là. Tout ce qui est vert. Ok. Ça devrait suffire. Attends, je vais en virer un autre, celui-là. Yes, c'est bon. Ok. On a l'arme. Je vais la récupérer, on sait jamais. Ça peut servir si y a encore une embuscade quand on sort du bâtiment. J'espère pas, hein, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Allez. Il neige fort, tout devient blanc. Personne. Et le point de mission, c'était en bas. Bon, demi-tour toute, je suis désolé. J'ai pas fait gaffe, il faut qu'on trouve les indices. Je pensais l'avoir trouvé, mais en fait, non. Ah si, il faut juste parler à Eren, d'accord. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y.
Je te suivrai, mais je dois m'occuper de ma sœur. J'espère qu'elle a survécu, putain. Enfin non, elle est morte là, c'est obligé. Ah, ça fait chier. Ok, quête terminée. Nouvelle quête principale, le soleil tombera. 2500 pas. Rejoindre le palais du soleil à Meridian. Bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va cesser pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vais... Il est pas mort celui-là ? Ok, maintenant il est mort. Moi je vais aller à Meridian, je vais retourner à Meridian. C'est assez loin d'ici. Du coup je vais faire le trajet hors vidéo. Et on se retrouvera là-bas pour la suite de l'aventure dans le prochain épisode. Allez, encore merci, à très très vite. Et ciao ciao.